Ici, je parle du jeûne thérapeutique, des lavements intestinaux et les jus de fruits et légumes frais pour notre santé globale. Comme vous le savez, depuis 2 semaines, nous sommes à la troisième semaine que je parle de lactose. La semaine dernière, nous avons fait le jus de pamplemousse pour nettoyer les calciums inertes dans le cartilage des articulations. Nous avons parlé aussi qu'on peut prendre plusieurs jus pour la santé de nos cartilages et des articulations. Aujourd'hui, alors, on continue dessus. Pour ceux qui viennent d'arriver sur ma chaîne, donc, vous savez que la maladie, la pathologie, l'arthrose est une pathologie très, très silencieuse, mais très, très handicapante. Et vraiment, c'est ce ressentiment que l'on devrait se prendre très, très, très rapidement en main pour ne pas entrer dans l'handicap total, parce qu'il y a les gens qui sont dans des hôpitaux, chez eux, cloués dans leur lit à cause de l'arthrose. Salut, salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons commencer à explorer ce qui peut être bien pour notre santé, pour la santé de nos cartilages et des articulations. La semaine dernière, on a fait le jus de pamplemousse et aujourd'hui, on va continuer avec les deux derniers jus, hein? Trois derniers jus. Alors, donc, pour ceux-là qui viennent d'arriver, on a dit que l'arthrose est une maladie très handicapante, mais très, très silencieuse, mais trop, très, très handicapante. Si vous voulez bien re-suivre, vous allez voir les vidéos antérieures pour pouvoir bien suivre et faire. Si vous êtes dans ce cas-là, vous pouvez bien retourner en arrière. Donc aujourd'hui, nous allons faire le jus de céleri seul, le jus d'épinards avec carottes et le jus de carottes avec céleri. Donc le jus de céleri seul va aller maintenir le calcium dans son état solide jusqu'à l'absorption de tout ce que tu es en train de boire. Et le jus de carotte et épinard va aller reconstruire nos intestins et reconstruire nos intestins grêles et nos intestins grêles et gros intestins, parce que la lymphe et le sang ils vont aborter, ils vont envoyer tous les déchets vers le côlon et ces déchets vont passer dans les intestins grêles et des gros intestins. Il faut donc qu'on le nourrit bien avec l'épinard et carottes pour qu'il soit capable de faire passer les déchets. Donc, avec le jus de carottes et céleri, c'est donc pour régénérer nos cartilages, restaurer, afin qu'ils retrouvent leur état normal. Même si ce n'est pas normal, ça peut récupérer une moitié pour que tu puisses encore te lever. Donc, je vais donc te recommander que si tu veux vraiment fais l'expérience de la nature. Je te recommande de commencer par les jus de pamplemousse, puisqu'il faut d'abord prendre les jus de pamplemousse quelques semaines avant d'entrer dans tous ces jus-ci. Alors, les amis, on va passer donc on va commencer par faire le jus de carotte et céleri. Voilà, on fait le jus de carotte et céleri. Trois différents jus, on va boire 480 millilitres de chaque par jour à l'intervalle de 2 heures. Ce n'est pas une ordonnance, je ne suis pas médecin. C'est juste une nourriture que nous pouvons manger pour nous porter bien. Donc là, j'ai trois carottes bien pelées et deux branches de céleri. J'ai mis un citron et deux gousses d'ail. Les gousses d'ail doivent nous aider à aller sortir dans tous les coins de nos articulations tous les déchets. Et curcuma, gingembre et curcuma. On peut passer donc à couper
Je coupe donc ces ingrédients-là pour qu'on fasse le jus. Toujours bien brosser ses bien laver ses flux, hein. Et on doit avoir sa brosse pour les brosser très bien. Vous savez que les pesticides, les engrais chimiques là qui nous polluent tous les fruits là, il faut laver. Je sais bien que c'est à l'intérieur, mais quand même, ce qui est à l'extérieur, lavons quand même. Donc, commencer à faire ce jus là, j'ai déjà rempli la machine, donc je mets en route, hein. Allez, c'est parti les amis. Dans le jus que j'ai reçu là, je vous ai parlé de 480 millilitres. Donc il faut bien mettre les carottes pour que ça atteigne les 480. Alors on continue avec le jus de carottes et épinards pour nourrir nos nerfs, hein? Ok, je mets dans la machine pour vraiment faire plusieurs carottes pour avoir une pinte. Hein. Une pinte, il faut vraiment même assez de carottes. Parce que moi, je fais moins puisque je suis seule. Je ne peux pas boire tout ça. Hein. Je fais moins. Moins qu'il en demande. Les amis, je fais des jus là. Jus d'épinards et carottes. Non. Quoi? Jus d'épinards et carottes. Jus de céleri et carottes. Voilà. Les deux jus, c'est ça que je vais vous montrer. Et puis le troisième jus, c'est le céleri seul. Et j'ai moins de céleri, ça va pas suffire. Donc, je ne vais pas le faire. Hein. Il me faut assez de céleri pour avoir une pinte. Alors les amis, à vous, hein, à vous de vous restaurer les nouveaux cartilages et des articulations en buvant 480 de chaque, 80 ml de chaque 2 heures avant
d'intervalle, hein, et commençant par le jus de pamplemousse quelques semaines avant d'entamer, parce que c'est le premier processus. Hein. Donc, attendez, oh, j'ai laissé, j'ai pas bien levé la caméra. Oh. Bon, allez, à vous, hein. Merci beaucoup de m'avoir suivi. Et je pense que il faut une forte volonté pour prendre soin de soi. Ce n'est pas si facile, mais il y a des résultats extraordinaires. On ne va pas le boire à la fois. Vous le savez, on ne peut pas le garder à plus de 20 minutes. Lorsqu'on a fait le jus comme ça, je suis obligée de le boire maintenant. On ne garde pas. Puisque c'est, je peux dire que c'est de l'eau organique. Il est assimilé tout de suite. Dans 15 minutes, il est tout assimilé. Il est déjà assimilé par notre corps. Si vous avez aimé, mettez le pouce, partagez. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous. Je vous en prie de me laisser vos messages, les amis. Je vous aime. Bye. À la prochaine.